imaginer une mobilité plus verte. Une multitude d'énergies alternatives s'offrent à nous. Mais alors, quelle est l'énergie la moins polluante à cette heure? C'est l'hydrogène. Il est dit vert lorsque sa source d'électricité est décarbonée. Il n'est fabriqué qu'à partir d'eau et d'électricité venant d'énergies renouvelables. C'est l'élément chimique le plus abondant naturellement dans l'univers, ce qui en fait une source inépuisable et donc une énergie plus responsable. Un véhicule à l'hydrogène vert ne rejettera que de la vapeur d'eau. Ici en France, Lyon et Grenoble et son projet Highway lancent en 2017 sa plus grande flotte de véhicules zéro émission. De nombreuses villes ont suivi leur exemple, comme Pau, Cherbourg-en-Cotentin ou Saint-Brieuc. Parce que la transition est inévitable, l'hydrogène vert est le futur de la mobilité. Les Côtes d'Armor prévoient l'installation d'une station de production d'hydrogène vert permettant son développement sur le plan économique et écologique. Comment rendre possible ce projet? Plus les acteurs seront nombreux à croire en ce projet, plus le marché sera accessible et amorcera un cercle vertueux vers un avenir plus vert.